Pour le vaccin, je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre opinion, mais ça arrive assez souvent. Ce que je fais, ma manière d'analyser les choses, c'est quand on veut regarder les chances d'aboutir à ce que nous appelons la valeur prédictive, on regarde le nombre de fois où une hypothèse a été réalisée. Le nombre de fois où, sur les 30 dernières années, sur une maladie émergente, on a réussi à faire un vaccin commercialisé, c'est mon avis, il est tellement faible que la chance que cette fois-là se réalise, c'est possible, mais c'est très difficile pour une raison, c'est que maintenant qu'on évalue la mortalité de cette maladie, on voit que la mortalité de cette maladie est très faible. Ça veut dire que pour qu'un vaccin soit fiable et acceptable, il faudra le tester chez plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes, pour que le bénéfice soit supérieur au risque. Quand il y a un risque très faible, c'est ce qui se passe. Bien Et puis sûr. par ailleurs, va se poser le même problème qu'on a contre la grippe, c'est que les gens qui meurent du Covid sont des gens qui sont âgés, et malheureusement, ces gens ont une très mauvaise réponse immunitaire. Si vous vaccinez des gens qui ont 80 ou 85 ans, hélas, pour la grippe, ça marche très très mal. Donc il faudrait vacciner les jeunes, et comme les jeunes ne mourront pas de ça, pour les vacciner, il faut être sûr que vous êtes absolument sans risque, donc avoir une population testée qui soit considérable. Tout ça veut dire que l'idée qui est propagée qu'on va avoir très vite un vaccin qu'on va pouvoir mettre sur le marché ne correspond pas, de mon point de vue, à une réalité scientifique et médicale.